Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes ici en Suisse, c'est la ville. Basel. Nous sommes ici à Basel, à cette date d'aujourd'hui, du mercredi 6 avril 2016, pour un programme de taille, invité par ses deux sœurs. Voilà, invité par ces deux sœurs qui ont voulu qu'on les soutienne. Mais en même temps, ils ont pensé à toute la diaspora et la communauté africaine basée en Suisse. Voilà, basée en Suisse. Et pour cela, nous aurons une grande veillée ce vendredi. Voilà, ce vendredi, ben, en fait, il y a des gens qui appellent au service de communication du prophète que je suis depuis Abidjan, depuis Divo, pour dire qu'ils n'arrivent pas à joindre des personnes. Mais si, la sœur, depuis un moment, elle ne fait que prendre les numéros des personnes. Donc, vous donnez vos numéros en même temps. Mon numéro, c'est le 079. Non, il faut faire le plus. Le 0041-79-460-0204. Je reprends. 0041-79-460-0204. Maintenant, le nom, tu réponds combien de fois? Mon numéro de téléphone, c'est le 0041-79-460-0204. Ok, donc vous appelez le nom déjà? Henriette. Ouais, la soeur. Moi je suis la soeur. La soeur Henriette. J'ai un autre numéro. Le seul numéro c'est bon. Moi je suis la soeur Rose. Alors je me réjouis d'être là avec le prophète Joël Crasso. J'étais à Paris, j'ai vu vraiment ce que Dieu a fait pour nous et pour lui, en passant par lui. Amen. Donc vraiment je suis contente qu'il soit là à Basel maintenant. Mm-hmm. Alors moi on peut me contacter au 0041-79-535-55-35. Je répète encore s'il vous plaît, 0041-79-535-55-35. Merci. Oui, merci pour tout le monde, pour nous contacter. Vous voyez tout le monde, vous avez les numéros déjà. Mais pour dire, c'est un programme de taille. Au lieu de se déplacer pour aller, n'est-ce pas, à Zaroko, c'est les frères. Le Seigneur nous a fait la grâce, les bien-aimés ont mis les moyens. Et pour dire que récemment, nous avons été marqués, parce qu'ils sont venus en Air France, ça c'était déjà important, le vol. Et nous sommes logés à l'hôtel Ibis, super, des chambres bien nippées et tout ça. Déjà, ça s'en montre déjà très bien pour notre esprit et notre manière de faire. Ceux qui sont en Allemagne, parce que c'est la frontière, ceux qui sont aussi en France peuvent venir. Voilà, ils peuvent venir toute la Suisse. Mais nous sommes là jusqu'à dimanche, je pense bien. Oui. Nous serons là jusqu'à dimanche parce que nous devons retourner dimanche soir dans la soirée. C'est pour vous une occasion de venir. On aura l'occasion de prier, avoir un grand programme de veiller ce vendredi. Maintenant, il y aura des rencontres que nous allons échanger avec vous, prier pour vous, et que le Seigneur puisse vous visiter. Le thème de cette tournée européenne vient investir en Afrique. Amen. Nous voulons que Dieu, le diable, vous libère parce que vous avez quelque chose de très important, vous. Vous êtes venu, n'est-ce pas, vous chercher à l'image d'Israël en Égypte et qui, à un moment donné, est obligé de partir à Canaan. La terre promise, je pense bien que c'est l'Afrique. Alléluia. Parce que le continent africain est le continent d'avenir. Amen. D'avenir avec toi. Et la Bible dit que c'est avec nous et que Dieu fera des exploits. C'est avec Dieu plutôt que nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Ne manquez pas Amen. Ce programme de taille. Je pense que la maladie dont tu souffres, Dieu te guérira au travers Amen. De ce sacrifice. Et Amen. Tu seras totalement délivré. Nous allons mettre Satan au pas et nous allons ordonner à la sorcellerie de te lâcher pour que tu puisses venir vers en Afrique. Amen. Vous avez maintenant les contacts, essayez d'appeler. Si vous n'arrivez pas déjà, peut-être que la soeur, peut-être elle est en ligne, au travail. Non, pas en ligne parce que c'est souvent occupé. Insistez. Et pour ça, nous puissions vraiment vous recevoir. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Amen.